Est-ce qu'on connaît que 75 numéros dans le rapport de CPJ te mette dehors sur l'assassinat Jovenel Moïse? Et dans 75 numéros, il y a 28 numéros qui sont enregistrés, il y a 47 qui sont pas enregistrés. Nous sommes tendus, le Premier ministre Ariel Henry, il y a une conférence, il fait comprendre que numéro public, conversation enregistrée, numéro enregistré. Pour qui ça, dans le rapport de CPJ, numéro Premier ministre Ariel Henry, il n'est pas identifié. Pour qui ça, enquêteur, pas identifié numéro Premier ministre Ariel Henry. Est-ce que c'était guettant influence? Est-ce que c'est guettant pression? Est-ce que c'était guettant intimidation? Puisque le rapport de CPJ, il est publié 2 août. Et Ariel Henry, il est monté dans la tête primature 20 juillet 2021. Gain parole, qu'on s'en a dit, nous prenons le pouvoir. Nous venons avec tout numéro au bout. Tout information là on va le découvrir, on va le connaître toute bagaille parce que faut nous montrer à clair avec public là toute magouille, toute bluff, toute manigette qui gagne là. Et ça qui pire là pour nous connaître. Ça qui pire là pour nous connaître aux États-Unis. Gagne yon film lobbying que gouvernement Ariel Henry a payé $25,000 américains chaque mois pour chanter gloire à Ariel Henry. Pour chanter louange à Ariel Henry. Pour faire bonne figure pour PM, non, PM de facto. Hein? Alors que en Haïti, insécurité a fait ravage. Alors que en Haïti, problème grand goût a fait ravage. Alors que en Haïti, travail pas touché bien en factory. Alors que en Haïti, la justice pas qu'à enquêter sous dossier assassinat Jovenel Moïse. Juge pas qu'à faire travail. Mais aux États-Unis, il y a un jeu qui a baillé pour chanter louange à Ariel Henry. Pour montrer bonne grâce à Ariel Henry. Pour Ariel Henry qui a fait bonne figure. Mais intérêt qui est? Qui ça Ariel Henry baillé comme garantie qui fait jusqu'à présent? FBI n'a pas qu'à démonter pièce par pièce pour montrer complicité, pour montrer niveau implication Ariel Henry. Assassinat Jovenel Moïse. C'est bien d'être là, tout détail, vous m'avez dit pour vous. Vous pouvez avoir tout numéro, vous pouvez avoir toute information parce que faut que nous fassions qui quitter coquin. Et ma profite à annoncer nous, ha, petit bat de bouche pour aujourd'hui là, dans l'émission, là, je vais présenter nos toutes bagailles. Petit bat de bouche, je vais le faire avec nous gagnons deux invités, nous gagnons et pasteur Antoine Danastor qui lui-même lui a un message pour la population haïtienne, il a un message pour le public là, et nous connaissons. Faut gagner la prière, faut gagner révélation, faut gagner et faut mon Dieu intercéder à l'empire bon Dieu pour Haïti, à l'empire bon Dieu pour Nexaro pour voler ça yo. Et nous pral gagner avec et nous pral faire toute bague bouchon, toute reste émission là. Nous pral parler avec ingénieur Morino Jean-Baptiste. Ah oui, il passe de présentation. Nous pral parler de un gros coquin projet il gagne là. Un gros coquin projet qui pral permettre de combattre corruption. Dans l'administration publique, dans le ministère, dans la direction générale. Yo. Et si projet ça vraiment, nous voulons le passer, si projet ça vraiment, nous voulons rallonger souffle avec corruption, il faut nous partager vidéo. Il faut nous porter bourré en façon pour nous dénoncer tout ça qui est pour dénoncer. Yo, et puis pour nous porter projet en ingénieur. Pour yon well, pour yon comprendre. Donc, n'a tout font passer tout sous dossier Jovenel Moïse, parce que c'est dossier ça qui a fait actualité, faut qu'on compte tout le bagaille. Ah oui, faut que nous parlions. Donc, déjà, m'a invité au partager vidéo, ou même qui fait tomber ce channel là, qui pourquoi abonner, pas hésiter à faire ça. C'est là où j'ai toute bonne information, yo. Ça faut ce côté niveau immondé. Parce que y a des bagailles qui a parlé là, depuis un mois d'avance, nous avons eu le temps de tout bagaille. Y a des là, on pas besoin d'étonner pour yon. L'attendé a vu passer, l'attendé qu'on y a, il va le sortir notre officiel, il a besoin étonnant pour yon. Ok? Donc, on allez, nous allons parler pays, nous allons faire débat dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. DCPJ
sorti rapport sur l'assassinat de Jovenel Moïse en 2 août. Et le DCPJ publie rapport là. Dans le rapport, ça a environ 75 numéros de téléphone. Présumé assassin, moun yo te maré, moun ki te gen mandat derrière yo, moun yo interpellé, etc. Numéro 75 moun enregistré. Bon, disons, il n'est pas enregistré. Numéro 75 moun yo publié, le DCPJ publié dans le rapport. La. Mais, non, 75 numéros ça yo, la dedans gagné 28 numéros qui enregistré. Ça veut dire qui gagne nom, qui gagne moun, qui gagne propriétaire, qui rattaché à elle. La dedans nous gagne différents, et images là, on va le montrer, on va le faire regarder, on va le comprendre que le nom du bagay, nous pouvons li, nous montrons li pour qu'a comprendre. C'est pas en question de vin bon information, ça que yo pas vérifié, ça que yo pas justifié. Nous là pour une bonne information, Joël. Nan premier ça n'a pas gardé là, nous avons gagné deux groupes numéro. Gyon bo qui écrit Digicel, gyon bo qui écrit Natcom. Tout numéro sa yo, pren bo Digicel la net, descend, pren bo Natcom nan net, ça c'est numéro qui pas enregistré. Yo pa gon propriétaire, yo pa gon nom qui affilié avec yo. OK. Donc, ça yo, nan numéro sa yo, comme premier ministre Ariel Henry fait comprendre que numéro là il est enregistré, nous pas le chercher, nous pas le montrer. Ou gagner un deuxième groupe. Dans deuxième groupe là, ou gagner 11 numéros. Ça yo c'est numéro qui était attribué avec Colombien. Ou gagner numéro Suarez Algeria, ou gagner Arcel Sierra, ou gagner Girardo Zapata, ou gagner Guerrero Torres, ou gagner Andela plein numéro. Il y a total 11 numéros. Yo bon mak téléphone yo Samsung et Samsung iPhone yo ba email téléphone yo après email téléphone yo ba ou numéro téléphone yo gen ki gen numéro local gen ki gen numéro international 11 ça c'est 11 moun numéro yo enregistré n'ap continue. Pour le premier ministre, il y a un numéro de l'antenne enregistré. Pour le banou, le côté numéro de l'antenne enregistré. Alors, je ne sais pas si vous avez comme ça. Nous gagnons là, nous avons titre de l'analyse des relevés d'appel, de l'analyse des relevés d'appel téléphonique. Là, nous gagnons un groupe numéro. Nous gagnons un numéro qui attribué avec Gordon Fenil, John Joel Joseph, ou gagnons pour Badjo, ou gagnons pour Grégory Boni, ou gagnons John Joel Joseph encore, ou gagnons l'autre numéro toujours. Ou gagnons numéro pour Gilbert Dragon, ou gagnons numéro pour Sinéus Francis Alexis, John Joel Joseph encore, ou gagnons numéro, oh, tout téléphone ça, John Joel Joseph encore, ou gagnons Rinaldo Covington, après ça, ou gagnons James Solage. Après ça, puis bah, ou gagnons des séries de l'autre numéro, avec tout et numéro téléphone et ou gen numéro téléphone non ou gen email téléphone non mais yo pas enregistré gen John Joel Joseph avec Badjo Félix c'est deux moun sa yo qui plus gen téléphone yo té récupéré kounye a ou trouve non situation côté que dans conférence de presse pour première fois premier ministre a décidé adressé avec la presse de manière officielle pour un journaliste en conférence de presse qui posait le question. C'est vrai qu'on a la radio, qu'on a essayé de faire une tête, que le papa l'a abattu, que le papa communiqué à abattu, le papa juste abattu, etc. Et y a pas de parole en bas. Là, c'était officiel de rencontrer avec un groupe journaliste pour poser la question. Mais on sentit que, premier ministre de facto Ariel Henry, malgré les réunions avec la presse pour poser une question, pour répondre à une question sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Mais il y a un grave problème de communication. Si ce n'est pas un grave problème de communication, d'ailleurs, nous avons dit que c'est subconscient premier ministre qui fait le défaut. Vous comprenez? Tellement, il y a une mauvaise conscience de sa passé. Et puis, il est déséquilibré de la répondre à une question. Comment on le dire? Je dis là, où réunit la presse pour bailler en conférence de presse, pour journaliste poser aux questions sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Et pour faire suite, ou pral, et comme si ou pral lancer un appel
Et comme si vous lancez un appel avec Badjo, et pour Badjo rendre tête li by la police. FBI soupise Badjo Félix. Ou senti quelque part en bas table, il y a un jouet, il y a un bagay qui fait, il y a un manœuvre qui fait. Gita gon manœuvre, vous tande PM nan pale ou, et c'est laboratoire, nèg ici, politicien ici, toujours kon ki laboratoire, ka fè preuve. Ki laboratoire, ka monte preuve, pont yo. Mais yo même, yo pa kadou yo levon bon matin pour yo monte un laboratoire pour yo bay justice. Yo pa kadou yo monte un laboratoire là, pour yo dou, et yap bay sécurité. Yo pa kadou monte un laboratoire là, pour yo di mais stabilité en dedans pays. Tout ce qui est bien, tout ce qui est positif, li pa nan dimension, me je zan yo. Li pa nan dimension nèg sa yo k ap fè politique de dans pays. Donc pourquoi venir mentir pour dire que numéro li enregistré, numéro public, tout moun ka wè li, etc., etc. Alors que mes rapports de CPJ là, ou fouillez, ou refouillez, ou feuilletez, ou refeuilletez, un rapport qui près de 120 pages, ou l'il ou passe toute qualité marqueur pour chercher ou notifier chaque petit détail ou côté bon numéro de téléphone pour voir qui numéro qui enregistré qui pour Ariel Henry. Ariel Henry pas gain numéro qui enregistré dans rapport de CPJ. Donc à quoi bon pour faire toute mascarade politique ça à quoi bon je dis là pour vouloir faire monde comprendre c'est du fait que ou ces premiers ministres sont en forme de persécution et persécution à quelle fin à quel intérêt. T'as quel objectif? Jodi an la, faut que nous conscients, faut que nous conscients assassinat Jovenel Moïse, li dépassé largement et compréhension peuple haïtien. Haïtien pas, ouais là, yo tellement metté différents scénarios, différents ti bout dans dossier Jovenel Moïse. Haïtien perdu fil idée. Peuple haïtien, yo vinn, yo give up, yo bay vague avec dossier Jovenel Moïse parce que yo pas ka comprendre. C'est ça me carré les scénarios l'affaire de l'affaire. Jodi an yo vinn avec une affaire A. L'on comprend nous, l'on maintenant tête pour gétan fin comprendre, nous gétan fin à l'aise dans l'affaire A ou résoudre li et puis yo vinn avec une affaire B. Dans même affaire A, yo vinn avec une affaire B, yo a essayé coller yo. Et puis après ça, yo vinn avec un B prime, un B second. Pas jamais qu'à finir toute bagaille. Et c'est ça que fait là nous-mêmes. Nous obligés étape par étape faire des segments avec pour comprendre chaque information, chaque élément d'information, chaque indice, chaque salier pour nous venir avec pour comprendre. Ariel dit numéro enregistré, nous venons nous montrer de A à Z numéro Ariel n'arrive pas enregistré. Ariel ça connaît que lui prêt pour livrer. Et tout présumé assassin, ou présumé suspect, pour le bail gouvernement américain, pour le bail l'État américain, pour le juger, et ça, c'est un honte lié, un honte total absolu lié. Pour qui ça? Parce que nous, gros pays, nous, gros système judiciaire en Haïti, qui vraiment marche clopi-clopo, qui pas fonctionnel, mais nous pas oublié. Jovenel Moïse, son citoyen haïtien, Jovenel Moïse a été tué en Haïti. Donc, si tu as supposé que des démarches qui fait, si tu as supposé qu'on a envie, qu'on bataille pour justice pour Jovenel Moïse, pour l'argent, il n'y a pas supposé de l'autre côté que Haïti. Et pas de l'autre monde qui a bon justice, vraie justice, et pas une justice déguisée, maquillée. C'est pas une justice sur tout droit, mais c'est justice sans genre, tu as supposé la justice du Gébandé. Il n'y a pas de l'autre côté que Haïti. Mais là, nous, ouais, monsieur, c'est pas la parole à régler. C'est bagay paro y a réglé, c'est manœuvre y a fait, c'est dilatoire y a fait. Donc, ou obligé comprendre, ou obligé rete connecté pour comprendre étape par étape, épisode par épisode, step by step, qui ça kap dit, qui ça kap fait, qui ça kap sorti de nouveau, qui contradiction qui gagne dans le dossier Jovenel Moïse. Et m'promet nous, m'la avec nous, m'a pédé nous comprendre, m'a pédé nous décorder sa kode yo, parce que avant même que bagay y arrive, nous anticiper yo. Avant même que arrivé nous anticiper yo et nous garantis nous bah et Badjo Félix ça a fait actualité ces jours-ci il pas fait actualité sans raison. Ariel Henry nous qui fait déclaration là qui comme si il vient il bah nous garantit comme si son garantie lui pas papa ici en battant tout Jovenel Moïse m'pas impliqué m'pas complice. C'est parce que quelque part il y a une garantie. Il y a une garantie donc
yo prend Ariel Henry, yo prend Badjo, pas Badjo, mais li gèt ap ese met tête li dehors pou dou, ni de près ni de loin ni de très loin, il pa gagne pou louer Badjo, pa gagne pou louer avec assassinat Jovenel Moïse. Et j'aime vraiment quoi? Al quoi ça? Au plus haut sommet de la justice en Haïti. Même tout on s'am kap bataille, même les États-Unis jodi an la, pa bon côté FBI, gen des démarches kap fèt, al questionner ancien diplomate, à questionner bataille ça qui gagne au niveau du département d'État américain, à questionner Daniel Foot, à questionner Pamela White, n'a besoin des éléments de réponse. Monsieur dame corps groupe, à questionner yo G9 ça. Haïti gen G9 en famille allié corps groupe, ils ont G9 tout. Hey, aucun problème bon. Zest of Moringa pour tes solutions pour gen zouti se pomade bol an même. Sa pral permet ou rallonger peignon. Bal longueur vle, épaisseur vle, pou moun vle. Nan 90 jours seulement, solution nan men ou pardon yamande ou. Gen bon nan yon traitement 100% naturel, pendant 90 jours, tout bec a été fini, tout garçon ka utilise l. Rele nan 514-886-9776 ou bientôt passez sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Émission Mon Éditorial, c'est une émission qui l'a pour tout le monde. Toute couche, toute classe sociale, indépendamment et de qui travail ou a fait, indépendamment de qui rôle ou de qui fonction. Depuis son bagage qui positif va faire dans pays hein qui ca utile société hein micro mon ouvert caméra mon ouvert disponible pour parler c'est dans optique ça je dis là ma proche voix pasteur Antoine Danastor qui gagne un jeune de délivrance li annoncé là pour pays hein m'va laisser le soin pour le présenter et by plus explication sur jeune de prière ça jeune de délivrance ça pour Haïti. Pasteur Danastor, bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'émission Mon Éditorial. Donc, c'est bonsoir Yannick. Merci pour l'invitation pour lancer moi pour capable faire parler de programme ça. Moi salue tout le monde qui attend de nous. Et moi bonjour béni nous. C'est un plaisir on est avec nous à soir. Bien. Pasteur Danastor, vous parlez là, vous annoncez, vous avez dit ça dans les coulisses, gain un jeune de délivrance, un jeune de prière. Faut-il parler public en plus de jeunes ça? Dans quelle initiative nous décider et mettre jeunes de prière ça à camper? Qui le fait? Côté le fait? Si y a un monde qui t'a envie, qui t'a voulu venir participer avec nous, comment y'a qu'à faire? Bon, et là, nous remarquons l'instabilité politique qui vient dans le pays à prolonger et ensuite le problème de violence, de gang. Et qui a fait ses ravages dans le pays, kidnapping, pays à tête en bas, pays à malade, réellement malade. Moi-même, comme étant diaspora, un pasteur qui quitte Haïti depuis longtemps, même toujours bien Haïti sous cœur, moi, et moi, je pense que c'est approprié pour que nous mettons un jeune international sous pied, et côté que nous avons pris de 6 mois que nous avons prolongé là. Disons, on a fait 6 mois de prière de jeunes pour Haïti. Nous avons eu 4 mois, nous avons eu 2 mois encore pour nous achever jeunes là. So, c'est une optique ça. Nous voulons prier pour que bon Dieu lui-même soit capable de faire une intervention pour aider la situation pays noir. Hein, parce que, et comme moi-même, avec tout l'autre monde, qui t'a même retourné dans le pays nous, mais voilà, yo, pas permettre nous capable de retourner. Et son bagage qui fait mal en pile pour nous être un pays noir à dégrader sans dans l'enfer. Il est réellement dur pour nous absorber dans le système. Nous, alors moi-même, comme étant pasteur, moi j'ai mobilisé tout pour nous. Et les autres prières là, les connecter avec des gens dans différents parties dans le monde. Nous avons Saint-Domingue, Chili, Paris, États-Unis, Haïti surtout, qui connecter avec nous. Et nous gagnons une prière qui fait chaque matin de 5h à 7h. Et chaque matin, et nous prions 2 heures de temps. Et après ça, nous retournons encore à midi pour 1h. Après ça, nous tournons sur le réseau de prière là de 10h pour 11h. Mais le samedi, nous faisons une spéciale ça pour Haïti. Pour la délivrance d'Haïti. Où mon Dieu est capable de dire un mot pour nous-mêmes. Donc, c'est...
Oui. C'est en gros. Nous avons participé dans le jeûne là et nous invitons tous les pasteurs, tout le monde qui est chrétien et qui croit dans la prière. Et nous croyons que bon Dieu a une vision claire et pour nous capables de prier parce que loi de prier, c'est volonté bon Dieu qui doit faire. Et Jésus, notre sauveur, il était prié à tel point que si tu as l'idée connaissant, son fils, même comme étant le bois vert, il était une nécessité pour te prier, pour te confronter le mal, et voir pour nous-mêmes. Mais dans une situation comme ça, et c'est prier, pour nous demander bon Dieu secours. Ça fait que trois fois le jour, nous prier de matin de 5h à 7h, midi pour 1h, et 10h pour 11h, trois fois le jour, nous employons même processus Daniel là, qui était dans l'activité en Babylone, et nous tournons face nous vers Haïti, notre Jérusalem, pour nous demander bon Dieu secours au pays, nous, hein, pour bon Dieu qu'à délivrer. Ou mais comme nous disait déjà, jeune spécial, je fais chaque samedi pour la libération d'Haïti. Pasteur Alastor, et nous connaissons les chrétiens, il y a plus passé 52% de la population, plus passé 52% et 52% monde dans la société, c'est chrétien qui a prié. Est-ce que je dis là, le problème Haïti a fait face là, qui c'est en crise multidimensionnelle, nous avons une crise politique, nous avons une crise sociale, nous avons une crise sécuritaire dans le pays, et nous, par rapport avec l'insécurité, c'est toute classe, toute couche qui frappe, ou kidnappé pasteur, ou kidnappé vaudouisan, ou kidnappé prêtre. Donc, pas de catégorie qui est épargnée. Est-ce que je dis là, par rapport avec ce qui a passé dans le pays, est-ce que le rôle chrétien, c'est à seulement prier lié? Ou bien l'autre bagaille que chrétien au café et pour aider dans le changement Haïti? Bon, Haïti est un pays qui est malade depuis la tête aux pieds. Il est réellement dur pour nous voir que le peuple noir, hein, et surtout ça, qui est dans une position de leadership, et pour nous quitter le pays à descendre dans l'état, ça, nous pas un bon vrai leader réellement qui est consciencieux. Qui t'a réellement ouais, bien pour pays. Son équipe qui a fait piller pays et qui a fait prendre avantage, c'est seulement pour que ouais, mais sans vérité que lié. Et d'autant plus tout, côté que ça fait faiblesse dans l'église encore, au côté vous pasteur, vous avez mis ensemble, et nous, ouais, aussi, mais aussi, on va jouer une l'autre. Il y a 10 minutes entre eux, une avenue de l'autre, pas de entente entre les chrétiens, il y a une division. Donc, ça vient rendre l'église encore, on dit, gens faibles dans la situation. Sur moi, pas croire que la prière seulement capable de résoudre le problème, non? Il est important pour nous prier, parce que bon chanté dit, la prière change tout bagaille, la prière va avoir repos. Ok, c'est une âme spirituelle, une âme principale que nous devons envoyer. Mais, dans pile d'autres facteurs, dans pile d'autres bagailles encore que nous sommes capables de faire, pour nous arriver à la situation pays noir. Mais, nous t'arrêtons, mais si les leaders attendent, nous, ballons chance. Parce que nous, mes pays, nous-mêmes dans la diaspora, même si nous avons souffert un peu pour payer moins, il y a un grand capitaine de nous, nous avons une chance pour nous rebâtir. Il y a chargé Fatra, le centre à Fatra, c'est ça que nous négocions pour tuer, ouais, à prendre ce temps. Nous avons une chance pour nous rebâtir, pour nettoyer le pays, nous, même si nous avons un tout dans le pays, ok, pour nous rebâtir le pays, moins. Et quoi que nous sommes aux États-Unis, en moins faire quelque chose pour m'aider, alors quelques mots dans la possibilité que je suis capable, je vais voir l'école, puis à la bonne métier, parce que moi, quoi ça, il y a un bon métier pour capter pour nous, et il y a un monde qui a un bon métier à jouer, il y a un sac mécanique, il y a un qui a un bon tailleur. C'est une action caritative. Pardon? Non, moi, je dis que vous lancez une action caritative. Non, aider le monde. Exactement. Moi, je ne vais pas être pour hier seulement, mais quand il. Donc, tout le bagage est capable de faire pour alléger souffrance, peuple-là. Et moi-même, quand dans l'école, si mon avez un bagage pour le défendre, vous avez besoin d'avoir un monde pour avouer, on dit centimes bas tout le temps. Mais vous êtes capable d'aller avec le métier qu'on gagne pour défendre des troupes, pour capable procurer, son à tête et famille. Sinon, tout ça, moi-même, m'a aidé quelques mondes pour aller à l'école, pour apprendre un métier. Parce que. Oui. Pasteur Danaston, nous allons finir parce que ces messages ont fait passer. Bon, je vais vous poser une question. Comment est-ce qu'il a attiré l'attention de ce que là, on dit que l'église est faible. Donc, est-ce que si l'église est faible, et te mettre 1 million, 10 millions de chrétiens qui réunissent parce que
m'pense m'rete quoi que c'est chrétiens réunis qui constituent l'église. Donc si l'église faible et puis chrétien prier donc et prier faible d'où implicitement. Bon, toujours on fait le reste. Ouais, gagne quelques monde, des vrais pasteurs, des vrais chrétiens. Même dans Haïti ou bien dans le diaspora, qui a servi bon Dieu tout bon. C'est pas eux toutes, ouais, qui s'agit d'être dans, la situation, ça. Mais, on fait le reste quand même, c'est qu'à plaiter. So, nous pas qu'à dire, nous pas qu'à généraliser, c'est tout le monde, qui l'a dit de Dieu dans situation ça. Ouais, mais il y a un monde qui a servi bon Dieu tout bon. Il n'y a pas en pile, mais il y a là. Ok. Eh bien, et avant d'aller, comment haïtien, monde qui a vécu en Haïti ou bien et l'autre côté dans le monde, dans la diaspora, comment vous avez fait si vous avez rejoindre et groupe ça, groupe de prière ça, comment vous avez fait pour rejoindre nous? Ok, vous avez appelé le numéro ça, dans 609 à Réacode là. 676-79-42. 676-79-42. Pas de lieu, pas de local bien précis, pas de ça? Bon, local de l'église, moi qui est dans Colombia, et c'est dans Caroline du Sud, c'est en l'église. Si il y a des gens qui sont dans la zone South Carolina ou bien North Carolina et qui tout près dans la zone là, si on peut toujours venir vers nous et puis nous capables d'adorer ensemble. Parce que nous aimons où les gens visitent nous, nous aimons bien. Si quelqu'un est intéressé, il est capable de venir dans l'église là. Donc, so, tout le monde. Mm-hmm. C'est bon, vous qui êtes intéressé, vous pouvez contacter dans le numéro 609-676-79-42. Donc, et puis, il m'a tout bon information tout concernant le réseau de prière là et ensuite l'église là. Ah, bien, ok. Bon, c'est sûr que tout ça qui vient pour avec Haïti, pour changement Haïti, pour libération Haïti, c'est sûr que. Et moi, j'étais comme nous avons participé en grand nombre, en foule, pour aller intercéder, pour aller prier pour Haïti. Merci, Pasteur Danastor, parce que vous avez lancé ce message, et je suis sûr que et prier a monté, et puis grâce à vous descendre pour Haïti. Merci, et à la prochaine. Ok, avec plaisir, merci. D'accord. Ok, bye-bye. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne. Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. J'aime ça parler tout à l'heure là et nous t'ai un titre d'exemple pouvoir judiciaire côté que viré tourné greffe tribunal a cassé dossier a disparaître dossier a perdu il a volé dossier etc. Pendant que sur internet là me tombé sur un bel projet qui t'a attiré attention et qui très certainement a utile pays a petite société dans combat contre corruption. Eh bien, bien avec mon souligne là, ingénieur Moreno Jean-Baptiste qui passe de présentation influenceur qu'il est. Et donc là, m'gagne lien avec moi qui pral présenter nos projets en long et en large puisque ces projets c'est idéli. Donc nous pral connait qui sa projet a exactement qui intérêt projet a pour pays et qui sa vraiment projet a yé qui sa ka utile société. Donc bonsoir, bonjour, bonsoir ingénieur, bienvenue dans l'émission Mon Éditorial. Bonsoir Yannick, et n'a profité saluer chaque monde qui prêt à regarder vidéo ça. On profite de moment ça pour que nous saluer toutes fans noyo. Normalement, d'abord faut que dire merci parce que vous contactez nous pour que vous capable de plus de détails sur projet ça que nous t'ai présenté dans un texte que nous t'ai présenté sur Facebook. En fait, qu'est-ce projet en hier Yannick? Nous, au 21e siècle, nous à l'ère de la technologie. Nous à l'ère de l'information. Et de toute façon, on s'est dit que, il y a des compagnies même qui basent capitalio sur nouvelles technologies. Là, nous avons parlé de GAFA, nous avons parlé de Google, de Amazon, de Facebook, de Apple. Compagnie, ça, c'est des compagnies trillionnaires qui, arrivaient à amasser des trillions de dollars dans ça qui vient pour eux seulement avec question technologie. Et on dit que,
partout à travers le monde entier, pays ont commencé à utiliser technologie dans tout secteur, qui était dans le secteur électricité, qui était dans le secteur sécurité, dans tout secteur net, technologie a vint ça donc capable briller un secteur indispensable. Ça veut dire que partout, quel que soit le côté passé, qui soit au niveau du gouvernement, qui soit au niveau de institutions privées, aujourd'hui une technologie a. D'ailleurs, avec et croissance populationnelle, calcul humain pas suffisant pour faire toute une série d'opérations. C'est ça qui fait que technologie a occupé sans nous relais une place vitale en dedans du gouvernement ou même. Okay. Et le laisser une comparaison entre Jean Pays Sayo, utiliser technologie pour que eux-mêmes aient avancé, et nous, jusqu'à présent, nous-mêmes en Haïti, nous t'assemblons nous toujours au Moyen-Âge, et c'est pas connaissance qui manquait, c'est pas monde qui a une capacité qui manquait. Moi, j'ai trouvé nécessaire pour que moi sonner, ou bien moi déclencher à l'homme, pour que moi faire remarquer grand vite ça qui gagne. En fait, normalement, le projet que je vous ai présenté, hein, c'est un projet qui a gagné pour objectif créer un système centralisé qui va permettre que nous digitaliser le gouvernement haïtien. Le système centralisé, ça, là, probablement, divisé en plusieurs sous-systèmes pour chaque, on est capable de dire, institution au niveau de l'État. Et comme nous toujours dit, il y a un exemple, vos mille paroles. Si on prend par exemple un système qui est très connu, dans le cas du système Google, là, on parlait de Google.com, tout le monde a un moteur de recherche là. Mais cependant, autour de moteur de recherche là, il y a un paquet d'autres systèmes que malheureusement, en pile, on ne connaît pas. Par exemple, on prend translate.google.com, qui c'est un moteur de traduction qui traduit en plus de en plus d'une centaine de langues. L'un prend par exemple 1000.google.com qui lui-même gère les applications meeting, on parlait de Zoom c'est un software de meeting qui est plus populaire. Donc 1000.google.com c'est ça lui gère lui-même. Et là on allait encore plus devant où tu apprends 1000.google.com lui-même lui gère ça qui vient pour eux avec email. Et nous sommes sentis que nous sommes capables d'offrir quelque chose pareil pour le gouvernement haïtien. On dit que probablement, nous avons bien un système gouvernement qui t'a hébergé sur un domaine qui est le haïti.gov. Et puis, leur besoin d'accéder à un système présidence, on t'a parlé sur présidence.gov. Leur besoin d'accéder à un système de la police, on t'a parlé sur police.haïti.gov. Présidence.haïti.gov pour la présidence. Leur besoin d'aller sur le ministère de la justice, on t'a parlé sur justice.haïti.gov, on a besoin d'aller sous pas DGI, hein, ou d'après aller sous DGI.haïti.gov. Mais là encore, c'est pas ça qui est plus important de ceux qui sont pralés, de ceux qui sont pas pralés. Ça qui est plus important, c'est contenu système ça, c'est qui ça système ça, ça construit en tant qu'avantage pour le gouvernement. Tout à fait. Donc on est que, si vous avez quelques questions pendant que m'a élaboré, hein, vous avez toujours campé moi au milieu du chemin pour qu'on ait plus de détails. Ok, pas de problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons que, il y a un petit problème qui gagne au niveau du gouvernement haïtien, c'est le problème de corruption. Et d'ailleurs, il y a un commentaire que moi, on m'a fait, en bas poste que m'a fait hier, qui était même présenté inquiétude lui par le fait que, il y a un système comme ça capable de créer chômage dans le pays, hein, par le fait que, il y a un système comme ça capable de prendre un job plus de un millier de monde. Ça veut dire de travail qu'un millier de monde a besoin de développer. Manuellement, l'imaginer que le système ça, c'est capable de prendre un job, il y a un milieu de monde. Mais ça, il ne pas comprendre, c'est que, rôle l'État en soi, c'est pas pour faire un job. Rôle l'État, c'est pour créer une situation, c'est pour créer conditions pour que des investisseurs de partout, des investisseurs de partout capables d'entrer dans le pays, pour venir investir. Donc, il y a un tel système comme ça, moi, penser, ça offre une possibilité pour combattre corruption. Pas pour éliminer, parce que, en réalité, corruption, c'est pas quelque chose qui est éliminé du jour au lendemain. Même la démocratie, c'est pas quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain. Corruption, c'est pas quelque chose qui s'élimine du jour au lendemain. Parce que corruption, c'est pas seulement son ouais, c'est mentalité. Donc, pour combattre corruption, on a besoin de travail qui est fait au niveau de mentalité. Mais en attendant que le travail a fait au niveau de mentalité, tout ça, nous sommes capables d'utiliser comme une mesure barrière pour limiter corruption, nous devons utiliser. Pour les bagailles. L'autre, par exemple, il y en a un petit problème que vous parlez de corruption qui gagne surtout au niveau de l'ambassade à Haïti, à l'étranger. C'est le fait que, il y a toujours dit que
en pile fois, l'argent n'est pas arrivé dans l'État. L'argent n'est pas supposé arriver. Hein. C'est ça que c'est que, ou après que partout, il y a toujours à plaindre par le fait que, pas de passeport, qui ça que pas de passeport, pas de budget pour ça, alors que, si le royaume lui-même l'était payé pour passeport, c'est pour pas dire que l'État fait le cadeau, c'est pas dire que l'État bat, il y a une estimation de combien il a coûté, et que le pays l'État pour ça. Eh bien, le fait que pas de comme, c'est pas. Non, on dit qu'on ne pague pas tout. Exactement, qu'on ne pague pas tout. Alors que l'anglais, ce n'est pas un cadeau que vous faites, c'est ton produit que vous vendez dans le marché, son produit que vous achetez. Donc, pas de comme pour acheter lui, et qui ça fait pas de comme pour acheter lui? C'est parce que si le citoyen n'a pas payé, c'est parce que comme ça, il n'est pas arrivé dans l'État. Eh bien, nous dit que, à travers un système pareil, si le citoyen a accès à lui, même pour que lui monte en ligne, prenez-vous lui et payez. Mais cette fois-ci, comme là, pas prêt à aller jouer une ambassade là, comme là, pas prêt à aller directement sous compte ministère des Affaires étrangères au niveau du BRH. Et, l'autre bagarre encore tout, si le citoyen n'a pas forcément obligé, je dirais, aller en ligne, s'il n'a pas accès à un computer, bien s'il n'a pas accès à un carte de débit ou bien de crédit, si le citoyen est capable d'aller directement dans les portes succursales BRH, et à partir de ce moment, si le citoyen n'a pas le numéro de NIFLI, et à partir de NIFLI, il est capable de prendre vos avis aux citoyens, et le citoyen a gagné pour le vivre au niveau de l'immigration, il tape seulement pas NIFLI, et il tape pour le citoyen ça, c'est un citoyen qui déjà a un rendez-vous et qui déjà a payé pour rendez-vous ça. Et ce qu'on dit là, c'est pas quelque chose que nous prenons inventé pour la première fois. C'est quelque chose qui existe là, déjà, en République Dominicaine. Par exemple, en République Dominicaine, l'on besoin de s'adorer les, yon, un certificat de bonne vie et mœurs, yon relé ça en République Dominicaine, Buena Conducta. L'on besoin de Buena Conducta, on besoin d'aller dans la Procuradoria, ou bien pour aller dans Banan Reservas, qui c'est ça capable de considérer comme étant banque PRH pour Haïti. Et à partir de ce moment, on bien pour payer dans Banan Reservas, et à partir de ce moment, on va aller avec Fichou, dans Procuradoria, et Procuradoria lui-même, la bien pour que les sorties ou, pour la conducta que vous voulez chercher. Donc, à partir de ce moment, un moment, ingénieur Morino. Mais, écoute, en Haïti, nous gagnons DGI, nous fait le DGI, et organe central qui pour toucher l'argent, qui pour délivrer Mounio, et des documents administratifs, tout dépend de qui s'en lie. Récépissé, le monde a fait NIF, etc., etc. Donc, qui rôle DGI t'a pas gagné là dans le cadre des projets ça? Voilà. En fait, DGI, en soi, c'est ce que je pourrais appeler, ils ont tiers parti dans la transaction l'argent. Parce que Fortune dit que DGI, de son nom, Direction Générale des Impôts, DGI a ramassé l'argent pour l'État. Okay. DGI a ramassé l'impôt pour l'État. Mais cependant, le DGI a ramassé l'impôt pour l'État, l'agence a eu pas été dans le DGI, l'agence a eu une seule direction qui c'est Banque Centrale, qui c'est l'unique banque que l'État a été possédée. Donc, si moi, pour que nous fait que l'agence a eu, au lieu que vous passez par DGI pour vous suivre le chemin, si moi, pour que nous fait DGI lui-même directement, même l'agence que l'État est supposé recevoir, pour aller directement diminuer les possibilités de corruption qui gagnent, c'est comme si une personne s'est dit que, moi, j'ai $50 besoin de vous et Yannick, me passer par 10 mounes. Donc, le fait que me passer par 10 mounes, il y a possibilité pour que c'est pas $50 qui vient dans mon, il y a possibilité pour que c'est $10 qui vient dans mon. Alors que tant que nous diminuons le parcours, que l'argent apprend, il y a moins de possibilité pour gagner corruption qui fait au niveau de l'argent. Très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ça me trouve son projet qui vraiment, qui exceptionnel là. Et maintenant, qui démarche qui fait projet A, c'est sûr que c'est projet A li écrit déjà, tout bagay là. Est-ce que y a des démarches qui fait au niveau de l'administration publique là, au niveau de et primature qui là, qui n'a tête cap dirigé là, qui projet, qui ça fait pour projet A et qui a avancé? Il n'y a pas de démarche, tout simplement par le fait que on pas qu'à venir proposer un volet minute pour que l'y arrête pour peut-être pas. Parce qu'il y a un système comme ça qui gagne objectif pour que les combats corruption, faut que d'abord, ouais, au plus haut niveau de l'État, gagne un engouement, gagne un désir pour que je combatte la corruption. Parce que, semble comprendre, Yannick, au niveau du gouvernement, on pas prétendre dire que moi, c'est mon qui plus compétent qui gagne en Haïti. Je me suis persuadé qu'au niveau du gouvernement, gagne des mondes de grand calibre qui gagne compétence assez, qui maîtrise les questions technologiques, hein, qui est capable de faire l'État de telles propositions. D'ailleurs, faut que moi dire que, il y a des firmes internationales qui, c'est seulement service à offrir. Digitaliser l'État pays, c'est seulement service à offrir qui déjà gagne un système tout préparé que, il n'y a que à bien pour que vous adaptez avec pays.
Donc ça veut dire que si vraiment l'État a une volonté pour que lui combatte la corruption, hein, moi persuadé que proposition, non, c'est dernière proposition qui t'a privé sous table. Il t'a dit qu'il y a suffisamment de propositions que l'État n'a pas utilisé pour le faire ça. Moi persuadé que pas une volonté vraiment pour faire ça. Pas une volonté, là. Nous capables de que pas une volonté. D'ailleurs, il y en a pas qui fait plus problème, c'est le système électoral, là. Ça fait longtemps, oui, que l'on a parlé pour n'a plein que l'on est capable de digitaliser le système électoral, là. Qui démarche fait pour ça? Aucune démarche. Il n'y a pas de volonté, tout simplement, par le fait que le monde que nous mettons pour résoudre le problème de corruption, il n'y a pas d'intérêt à résoudre. Et en termes de fiabilité, parce que nous connaissons, et pas rien qui sur à 100%, projet, en termes de technologie, ok, nous avons une administration publique qui est automatisée. Et comment on évalue le risque? Parce que nous connaissons pas bon ici, politiciens, nous connaissons puissants, nous avons toute manœuvre, toute tactique qu'on a employée pour pirater, pour jouer en faveur, quand même, pour jouer en bagaille qui est en faveur. Qui niveau de fiabilité qui a gagné dans le projet, hein? Qui niveau nous t'a dit nous fin mettre un projet comme ça sous pied, nous fin automatiser le système là. Est-ce que pas facile pour gagner des barrières, des brèches qui ouvert pour permettre à ce que corruption elle toujours continuer à faire continuellement. Très bien. C'est une très belle question. Premièrement, je dois dire que le risque zéro n'existe pas. Mais cependant, notre travail pour que nous diminuer le risque. Mais parlant de système informatique, qu'est-ce qu'on appelle audit au niveau du système informatique? Pour que ça nous parle de audit, nous parler de audit, c'est par le fait que nous connaissons tout simplement que même monde ça encore pour capable établir système là, même encore, il y a caché des façons pour que il contourne système là de façon pas yo. Mais on y a avantage qui gagne c'est que audit au niveau de un système informatique, c'est plus facile que audit au niveau de un système qui pas informatisé. Vamos pour exemple pour vous. Un peu par exemple, système loterie qui est gagné en Haïti. OK? Dans le système loterie qui est gagné en Haïti, côté que loterie a été fait tout bout de papier, qui bonne bonne est éparpillé par ci et par là, c'est un paquet de matos qui est qu'on baille. OK? Now, le fait qu'il y ait un paquet de matos qui est qu'on baille, nous avons remarqué qu'à un certain moment, le système loterie a commencé à digitaliser en Haïti. Côté que, il y a des applications mobiles, côté que, machin de bol est utilisé, et à partir du moment que je vais la finir, on nous a capable de dire que application en bloc qui jouait là, et de là étant, nous t'as censé dire que pas de moyen pour pas y mettre. Pas de billet qui est enregistré, ok. Ya, yeah. Mais cependant, on dit que pendant que qui jouait qui en bas, il pas de moyen pour pas y mettre, moun qui trouve au plus haut niveau dans le système là, qui gagne des accès qui plus avancés que jouait qui en bas, il y a des moyens qui sont capables de contourner le système là pour que vous pas y mettre. Mais qu'on y a là, leur contourner le système là. Étant donné qu'on que son système informatique, l'été basé sur un algorithme bien spécifique, l'autre, par exemple, il y a un organe, tant que, je dirais, la Cour des comptes, c'est qu'il va y avoir un propre technicien par eux, qui t'a travaillé pour eux, et à partir de ce moment, technicien, la Cour des comptes, t'a capable de gagner pour que chaque année, ils ont audité le système-là pour voir est-ce que le système-là pas dévié du travail que j'ai gagné pour faire. Et parce que, ou bien, Yannick, il y a un tel projet comme ça, il n'y a pas seulement besoin de support la présidence, non. Il a besoin de tout support parlement. Parce que faut qu'il y ait un ensemble de lois autour du système ça, qui vous bat le système là, vraie force légale que le besoin pour le faire travailler. Parce que son force légale pour le système là faire travailler, c'est vraiment la vie, monsieur Yapé. Parce que m'a rappelé moi jusqu'à présent, preuve scientifique, au niveau du tribunal, preuve scientifique qui n'est pas admissible. Donc nous loin toujours, nous derrière. Donc c'est réellement important pour et législature qui vient pour venir là pour travailler vraiment pour monsieur pas venir rester en bas dans parlement pour travailler pour faire loi, pour voter loi qui est utile. Alors Appel à te couper. Et n'a continuer, Jean Moreno. Et un projet comme ça, qui budget? À combien on évalue le budget? À combien on évalue la quantité d'argent pour projet ça a coûté? Et sous combien de temps on est arrivé à automatiser l'administration publique? Là? Ok. Normalement, d'abord, faut qu'on dise que un projet comme ça, c'est un projet qui a besoin de connaissances dans différents domaines. Principale connaissance qu'on a besoin des ingénieurs, c'est sûr et certain en informatique, on a besoin des ingénieurs en réseau, mais tout, on a besoin, je dirais,
d'autres connaissances, tant que monde qui a une connaissance dans la comptabilité, avec surtout avocat. Ça veut dire, c'est surtout avocat de taxe en Haïti. Monde qui connaît la question fiscale là bien en Haïti, il a besoin de monde qui a un projet, parce que l'ingénieur là, lui-même qui a une connaissance informatique là, c'est sûr et certain que la besoin de chita avec comptable, la besoin de chita avec monde qui verse dans la question taxe en Haïti, pour que yo prenne donné monde ça yo et digitaliser donné ça yo et automatiser donné ça yo. Donc, il y a un tel projet, c'est sûr et certain que son projet qui est capable d'étaler sur, je dirais, 2 à 3 ans, dépendamment de quantité de monde qui a bien pour travailler pour. Mais quand il y a là, il y a un système informatique, faut qu'on dit que c'est pas un système que vous finissez faire et puis vous mettez là, c'est fini. Du tout pas. Il y a un système informatique, c'est un système que vous avez besoin. Il y a une équipe qui est dédiée à ça, tout un système n'a existé. Quand il y a là, on peut dire que, bon, bien entendu, son père pour l'État haïtien. Il n'y a pas un père pour l'État haïtien, pour qui ça? Par le fait que tout simplement, système ça a, la permettre probablement que l'État gagne une entrée fiscale qui multiplie par rapport à ce que l'on dit avant d'en réduire, que l'a réduit, possibilité de corruption qui est capable de gagner. Donc, notre sens c'est dit que, il y a un système comme ça, c'est un système que l'État a supposé qu'il y a un budget annuel. Ça veut dire que, mon cap travail dans le département, ça même, cap travail dans le département informatique l'État haïtien, c'est pas juste lever, dit, son projet n'a fait sur 2 ans, et puis c'est fini, quitter le projet à là, sans aucune maintenance, sans aucun problème. Il y a un système informatique, ce système qui est capable de gagner problème, ce système qui est capable de gagner. On a toujours besoin d'un support technique en cas où tu as supposé, tu as un problème au niveau du système. Ça veut dire que c'est pas un système qui a besoin de 1 000 000 $ bien 2 millions de dollars pour lui, pour année à nous finir avec ça et puis c'est fini. Donc, c'est un système que l'État a besoin inclus dans le budget de chaque année par le fait que le système ça a toujours besoin de gagner des mondes qui travaillent là-dedans de manière continue. Prends Jean Bagay, Yannick. L'autre, par exemple, un monde qui travaille dans des GIO pour l'État haïtien. Mais c'est des mondes que l'État paye. Oui, tout à fait. Donc, système ça en soi, l'État prend l'alphologique, Yannick. Ou qu'à comprendre que nos pays, pour que monde font passeport, les besoins font matricule fiscale. Mais, imaginons un peu, matricule fiscale à qui est allié? Matricule fiscale, c'est tout simplement un impôt annuel que vous devez payer l'État. Peut-être impôt annuel, ça qu'on doit payer l'État, ou obligé à le faire un petit papier chaque jour, ou obligé à le faire un petit papier chaque année, ou à le camper les gens devant les GI, prendre en ligne, passer misère, des fois qu'on prend une semaine avant de réussir à faire un petit papier. Alors que, avec tout simplement numéro NIFO, système ça va permettre que, annuellement, ou payer l'État, sont pas même obligés à aller dans des GI, à le perdre du temps. Donc ça veut dire que, l'État n'a pas de nécessité pour multiplier les quantités d'espace des GI, rien. L'État n'a même tombé dans le même boîte des GI, ça y est. Qui se tape des réductions de coûts pour l'État, parce que nous connaissons que chaque directeur des GI en soi, son futur millionnaire. Donc, tout comme ça, yo, nous tape qu'à permettre que l'État réduit comme ça, yo, corruption tape qu'à diminuer, parce que ça va permettre que le système, ça, au lieu de lui servir comme on charge pour l'État, mais de préférence, il tape servir comme l'État, il y a un moyen pour l'État lui-même, capable de gagner plus grand intérêt. On dit, par exemple, ou même Yannick, qui travaille surtout, dans le domaine de création de contenu, donc, il y a un micro en soi qui va permettre que vous présentez publiquement le travail ou un bien, il va supposer un change pour vous. Il y a un computer qui va permettre que lorsqu'il crée le contenu, ou capable de processer le contenu plus rapide pour vous capable de délivrer, il va supposer un change pour vous. Parce que le contenu que vous créez, il y a un revenu que vous capable de générer, et l'autre revenu de générer comparativement à prix que vous dépensez pour que vous créez le contenu, c'est le positif, le travail là-bas. Ingénieur Moreno, là, une bonne question, parce que Haïti, il fait partie de pays qui n'a Caraïbio. Est-ce que il y a des exemples de pays n'a Caraïbes blancs qui déjà automatisé le système la caillo? Et si oui, qui rendement ça baille? Est-ce que le perfect, est-ce que l'a bien marché? Est-ce que tout bagaille OK? Moi peur pour me dire que peut-être Haïti c'est peut-être grand pays n'a Caraïbes blancs qui était derrière jusqu'à présent. Moi peur pour me dire ça. On peut dire que Haïti pas peut-être grain et unique pays dans Caraïbes là qui jusqu'à présent était derrière. C'est jusqu'à présent Haïti qui était derrière. Donc, il faut être. Mais si on prend ça à tout à l'heure là, oui Yannick. Ok. Non, l'on prend dans les réglages, Yannick. L'on prend dans les réglages, c'est qu'il y a deux pays que nous sommes capables de considérer comme étant deux petits pays qui voisins dans les réglages, oui. Qui est-ce que tu as pied? Haïti avec le République, n'est-ce pas? Oui, dans les réglages. Mais tout ça m'a dit là,
y a pas un luxe non République Dominicaine. Bam confidence. Nous vivons en République Dominicaine. Le mois passé sous ou pas payé ou en. Ben, c'est pas bâton, non, vous mettez des ou pas payé ou en. C'est juste garder des coups ou en sous. Système non automatisé. Système non automatisé. Ça veut dire que toute bagaille automatisée. L'autre là, République Dominicaine. Policier, hein, leur machine va courir. Policier, il y a moyen à partir de application les tabacs les sur téléphone pour que les tout simplement scan la machine non pour voir qui est-ce qui sur machine ça est-ce que machine ça a une contravention sur lui est-ce que machine ça c'est pour un assassin est-ce que ceci est-ce que cela et c'est raison pour laquelle qu'il faut ouais le assassin qui est à Haïti il traverse ses frontières là les rives dominicaines dans deux trois mouvements des mouvements des dominicains venus pour parce que pays par loin l'informatisé parce que ça faut comprendre Yannick c'est que quoi, par exemple, système, je dirais, éducation nationale. Là. Jusqu'à présent, pas saisi, ouais, souris, et n'a non, le ministère de l'éducation nationale, ouais, pression, oh, bam, enveloppe, il a fouillé, avant de réussir à jouer dans l'attestation pour vous. Alors que, l'autre système informatique qui digitalise les données, n'a une seconde seulement, ping, livré dans les données, non, ça pour comprendre, c'est que, où t'as besoin de moins ce monde pour que, au processus de désaillot, et ceci dans moins de temps. C'est ça que fait que le Dominicain hein, devient plus efficace dans le travail. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, c'est Haïti qui était derrière dans l'Amérique, dans ça qui vient pour eux avec technologie. Donc on peut comprendre que l'autorité n'a pas sous ça, n'a pas une bonne volonté pour te permettre et un tel projet pour le passer parce que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui bénéficient de corruption, c'est eux qui ont fait corruption. Donc, C'est nous-mêmes qui fait partie de la population, c'est nous-mêmes qui pour vraiment mobiliser un projet comme ça, nous pas supposé faire silence sur lui, nous supposé partager. Alors consultez pas Ingénieur Moreno Jean-Baptiste, gardez qui travaille à faire, gardez proposition, étudiez le bien, et puis comme ça tout, n'a partagé jusqu'à ce que l'autorité yo décide finalement pour automatiser le système là. Et Ingénieur Moreno, nous connaissons là, nous avons une situation et politique qui est difficile. Et par rapport avec différentes crises qui gagnent là, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons une vide institutionnel. Et 7 février passé, vide institutionnel, pire, par contre, président élu qui rentre dans le palais national. Et par rapport avec la présomption qui gagne sous le dos premier ministre Ariel Henry, et dans le cadre assassinat Jovenel Moïse. Je connais ça, son sujet qui d'actualité est censé intéresser tout le monde pour nous connaître comment avancer à fait, pour nous connaître qui ça cap dit, qui ça gagne, etc. Premier ministre Ariel Henry, il s'est fait une interview tout récemment là avec Miami et Herald. Côté que, il a annoncé si États-Unis voulait, si États-Unis mandel pour t'a livré et présumé assassin yo qui dans pénitentiaire national que c'est colombien yo, que c'est haïtien ou américain yo, que c'est haïtien yo et à proprement parler, li paraît pour livrer yo, li paraît pour le bail américain yo, li paraît pour coopérer. Comment comprendre déclaration ça? Comment appréhender et parole en pile ça pour mes ministres là gila? D'abord, il faut me dire que moi, personnellement, on va arrêter quoi que justice Haïti, États-Unis, Kabaïli. Parce que moi, il y a un bagage que je me toujours dis, les Américains travaillent dans l'intérêt du peuple américain, pas dans l'intérêt du peuple haïtien. Si nous allons retourner dans l'histoire, Yannick, nous songeons que tu as un président américain qui s'est mouru, si je ne me trompe pas, le 22 novembre, c'était en 1960 combien, c'était le président Fitzgerald et John Fitzgerald Kennedy qui était mort dans une campagne électorale et en Texas. Est-ce que l'information classifiée? Classifiée, top. C'est un jeu qui ça veut dire que, en supposé que après investigation, je dirais, et investigation ont amené que, eh bien, c'est le gouvernement américain qui était contribué dans la mort aujourd'hui. L'information, ça a tout placé comme étant une information classifiée. C'est ça que je moi-même, personnellement, on trouvait que c'est un calotte. Si on rentre pour justice haïtienne, le fait que pour un ministre PIA, pour le moment PIA par un président, pour un ministre PIA qui, je dirais, premier, je dirais, personnage d'un PIA pensait que c'est un gouvernement étranger capable de faire justice. Moi, j'aimerais dire quoi que Haïti, des moyens
assez pour faire justice pour porter de balle. Nous avons des CPJ qui là, il est vrai qu'on n'a pas de grands moyens dans la main. Mais l'on regarde des rapports de CPJA où est-ce qu'il y a une volonté, où est-ce qu'il y a un engouement pour que le travail en fait. Moi-même, ça me pensait, c'est que, sous où est que Haïti, justice, ça n'a pas marché, c'est parce que tout simplement, la politique s'accapare de la justice. Mais cependant, il y a une pièce pour nous faire croire que c'est, je dirais, livré américain au monde, ça y est, qui prend, bail pays en justice. D'ailleurs, pour me dire la vérité, Annie, moi-même, en tant que monde qui est un ingénieur en informatique, j'ai une maîtrise et en développement de software. Moi, je connais bien ça me prend à dire là. Lorsqu'on parle de intelligence artificielle, Yannick, l'y résider la taille américaine. Yo. Et ça me prend à dire là, sur l'eau capable de faire expérience. Quand on parle avec vous sur le téléphone là, si seulement l'on met dans Digicel, l'impossible pourrait, après conversation, hein, pour commencer à jouer une publicité Digicel. C'est parce que l'intelligence artificielle que Facebook gagne, yo scanne une conversation, si morceau par si morceau, pour que vous soyez capable de jouer, bah, ou, qui ça, que ou dit, je dirais, qui est capable de servir comme outil de publicité pour yo. Gagne une institution ici aux États-Unis qui aurait les NSA. C'est là-dedans, ou bien NSA en français. Et c'est là-dedans, Snowden t'a travaillé. Okay. Institution, ça, y a une mission, y a un job que le bail fait chaque jour. C'est enregistrer, analyser, tendre chaque conversation qui est passée dans le monde-là de manière quotidienne. Il y a de bons systèmes sophistiqués qui ont un moyen pour que vous détectez des conversations que vous trouvez qui pas dans la normale. Bon, bon exemple, dernièrement là, il y a arrêté une haïtienne qui était dans une conversation côté que l'étape comploté pour que l'été assassiné Kamala Harris. Ah oui. Je joins moi et je filtre la conversation ça jusqu'à ce qu'il y a le métier, mais il n'y a pas de cassable. Donc, parmi ça me comprendre que si pays Haïti qui là, à 2-3 pas des États-Unis d'Amérique, pour un complot de si grande envergure à monter, pour un brèche d'un complot à monter ici, aux États-Unis, et puis pour pas rien comprendre que complot ça, l'était visé, et le président haïtien. Et d'ailleurs, un complot de telle sorte, pour le réussir à matérialiser, bien de très grandes transactions, l'argent qui fait. Nous tous connaissons bien de pouvoir déplacer à plus de 10 000 dollars, qui difficulté qu'on est capable de joindre pour déplacer à elle. L'argent, ça a aussi transité, comment on fait transiter? Donc, c'est ça que fait que moi, personnellement, je pensais que, on était persuadé que les États-Unis, de près ou de loin, impliqués quand même dans la mort d'elle, soit par action ou par omission. Je dis par omission, c'est parce que jusqu'à présent, c'est de facto le propriétaire d'Haïti. De facto le propriétaire d'Haïti. Tout le monde est clair. Quand Joseph, il fut au premier temps, il dit que c'est sur l'estomac qu'il pouvait passer pour le bail gouvernement. Et puis, quelques jours après, le secrétaire d'État a fait déclaration pour dire qu'on s'accueille. Il n'est pas protégé pour le bail pour Joseph. Et puis, après quelques jours, le G9, je vais parler du corps groupe, ils ont fait déclaration, côté où dit que, eh bien, ils ont supporté Ariel Henry, à partir de ce moment qui sont Ariel Pé, les prédictions de tel droit, dans le palais national. Alors, pas dans le palais national, dans la primature, qui est-ce qui a empêché? Les États-Unis sont de facto le propriétaire d'Haïti. Donc, si Jovenel mourit, si Mounsao n'est pas coupable, dans la mort Jovenel, par omission, il est coupable. Si il n'est pas coupable par action, il est coupable par omission. Donc, si on compte faire culpabilité, par exemple, aucune façon que il est capable de bailler justice en Haïti. Le gouvernement haïtien qui vous bailler justice. T'aimerais des coins la privée, même si on est la tête actuellement, au Burkina Faso, pour Thomas Sankara. Déjà, et ingénieur Moreno, t'es gagné un paquet de paroles qui t'a fait parce que là, il t'a invité. Et parmi la White, ancienne ambassadrice américaine en Haïti, il a été invité et pour te passer devant en commission et puis il te fait comprendre que Jovenel Moïse et faut mettre Jovenel Moïse de côté. Il était venu précisément avec l'idée que il nous faut en Haïti l'option de premier ministre. Et depuis lors, gagne autant qu'on t'a qu'a fait, que je sois au niveau du département d'État avec Daniel Foutio, ou senti que, yo envie de tourner, yo envie de faire un détour sous Pamela White, comme quoi, li connaît des bagailles. Gagne des bagailles qui a passé, li connaît, et c'est ça que fait bien avant, depuis en février, li t'est venu tirer.
Gon notion moi parler de lui, deep state, un petit gouvernement dans le gouvernement central. Donc ou senti quelque part toute bagaille était planifié. Moi même personnellement pas rentré dans ligne pour me dire que c'est pas omission que États-Unis t'a quitté Jovenel Moïse assassiné. Et parce que tellement des prémices qu'il a, tellement des indices qu'il a, les déclarations qu'il fait, et des actions qu'il posait, nous sentis même après assassinat Jovenel Moïse, malgré et ou des démarches qu'a fait par bon côté FBI, département d'État américain, ou d'où fuck you, marre moun, ou joint et congrès qui mande rapport, qui mande évaluation, etc. Ce travail qu'a fait pour arriver à comprendre comment Jovenel Moïse fait assassiner. Mais ou senti que pas une bonne volonté, pas une bonne volonté vraiment, volonté en li pas réel, li pas 100% vrai, parce que et système judiciaire haïtien, c'est différent du système américain. Donc, qui côté a tué Jovenel Moïse? Jovenel Moïse assassiné en Haïti. Si vous regardez dans le système pénal, c'est le lieu du crime. Donc, c'est vrai, t'es qu'à gagner des commissions qui montaient aux États-Unis ou bien n'importe l'autre pays qui t'a décidé. Mais, malgré tout le bagage, ça, malgré tout petit point positif, ça, yo, arrestation FBI fait, et comme si ou senti bon corvée qu'a fait, ou senti bon corvée à faire nous fait. Et surtout Ariel Henry là, il décider comme si tout ça que t'a passé en Haïti, tout ça que t'a fait en Haïti là, début d'instruction qui t'a commencé dans le dossier Jovenel Moïse. Le rétel dou carrément si États-Unis mandé le présumé suspect là bail, c'est comme si le dossier Jovenel Moïse en Haïti c'est fini. Moi c'est comme ça me comprendre ni. Yannick, entre nous. Pas dit ton la vérité, parce que nous les grands Simon, nous c'est grand Simon Yannick, pas dit ton la vérité. En effet, ils font un petit bac. Ok? Parce que Jovenel mourit 7 juillet, pas vrai? Oui. Même quand il y a Claude Joseph accaparé le pouvoir. Après quelques temps, il semblerait que les gens sentent que Claude Joseph gagne volonté pour te faire justice au Jovenel. Tout à fait. Et peut-être que c'est pas ça qu'ils voulaient. Et puis à partir de ce moment, il y a un journal qui est le Caracol, il y a un plus gros journal qui gagne dans le pays et Colombie. Même journal ça, il cite FBI. Il dit que FBI a des preuves tangibles qui montrent que Claude Joseph, l'actuel premier ministre, participait, comploté dans tous les journaux. Il cite FBI. Et FBI n'a jamais apporté un démenti. Donc, ou ça, c'est que, c'est gagné, une sorte de pousse, c'est comme si Barbe dit que, je dis que l'autre, ça va passer, qu'on plan, il y a pour des sous là, sous pas évaque, ou pas d'émission, allez où? Now, en avancé. Nous, grand Simon Yannick, on a quand même que, si vraiment, c'est une conversation, parce que moi-même, personnellement, je ne parle pas des conversations, je suis obligé de décider devant. Si vraiment, c'est une conversation entre eux, le Premier ministre Ariel Henry et les criminels, les Américains seront les premiers à le connaître. Donc, si vraiment, c'est une conversation, les États-Unis étaient déjà connus depuis avant même que Ariel Henry montait en tant que Premier ministre. Parce que Ariel Henry n'a pas monté Premier ministre, même si Jovenel Moïse, il est monté Premier ministre quelques semaines après. Ça veut dire qu'ils ont écouté la conversation. Donc, s'ils ont écouté la conversation et quand même, ils ont comploté pour retirer Claude Joseph pour mettre Ariel Henry, c'est qu'ils ont quelque chose à vouloir se cacher. Et moi-même, personnellement, je pense que si les États-Unis ont quelque chose à dans la mort de Joseph, tout courir, monter, courir, descendre, arrêter mon à gauche, à droite, sont peut-être façon, peut-être moi-même, personnellement, je pense qu'ils ont cherché pour la vie avec ça. Montaillot, il n'y a pas qu'à juger deux fois pour le même crime. Tout à fait. Il y a peut-être venir avec eux ici, quitter le temps passé, font un jugement pour la cathédrale, et puis dire qu'il n'y a pas gagné assez évident pour qu'ils condamnent avec ça, et puis libérer eux, chasser dans le pays, et puis qu'ils closent, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est fini. Donc moi, personnellement, je pense que s'il y a une justice à faire, c'est Haïti pour faire justice. Parce que, paternellement, crée-nous que les États-Unis n'ont pas gagné volonté. D'ailleurs, si les États-Unis ont gagné volonté, sous des capacités pour changer pour le ministre, ah bon, comme ça, bon, vous semble, dans un paquet de monde dans le pays, il y a que clameur public, après les chaque jour, dit aux honnêtes, ils sont compétents. Pour que ça, c'est pas eux qu'on choisit. Ils ont toujours choisi, ils ont un monde qui ont grainé le gars au peuple pour qu'ils aient toujours utilisé comme étant un marionnette. Donc,
barricade pour que le monde ait intérêt pour faire un dans le pays. D'ailleurs, même situation d'insécurité qui est dans le pays, Haïti n'est pas fait ZAM, Haïti n'est pas fait la touche. Les États-Unis n'ont pas la grande façon pour que les bloquer entre les armes dans Haïti. Mais ça n'a rien d'intérêt dans ça. Donc ça veut dire que, faut que Haïti comprenne que l'île là pour que l'Irée les affaires parlent. Pourquoi on parle? Parce que les États-Unis n'ont pas la règle, il n'y a rien de pour lui. Et s'il en a toujours, c'est pas faute, Montaïo. Il travaille pour mourir déjà. C'est pas faute, yo. Qui ça pour Bill Clinton désormais en plus que craser l'agriculture nationale? Et puis, nous faisons comme si on bonne naïf, même next encore, c'est une arbre à gérer la question PRH pour nous. Au monde qui entre craser l'agriculture nationale, oui. Et puis, il vient tenter comme si la femme n'y a pas, comme si c'est quelque chose qu'il regrette. Il ne l'a pas regretté. Ce sont des larmes de crocodile. Mounsa aussi existe toujours, c'est pas faute. Ils ont fait tout pour nous détruire. C'est nous qui résistons à cela, nous là toujours. Mais ils ont fait tout ça capable de eux. C'est nous pas voulons mourir. Ils ont fait tout ça. La possibilité pour tout le monde déjà. Donc, on ne parle pas pour qui ça nous pensait que Mounsa a fait. Et non pas mourir. Du tout pas. Non pas mourir. Pour nous finir. Nous prenons fini. Nous prenons fini, ingénieur Moreno. Qui je comprends le comportement peuple haïtien là, dans le dossier Jovenel Moïse, passivité qui gagne, silence qui gagne, chita croisé pied qui gagne. Comment vous comprenez la réalité ça? Yannick, bon, je prends au niveau micro pour nous comprendre au niveau macro. Le finir à peine après mai, li pon premier bot, li pense gagne espoir toujours. Les prend deuxième, les font ralenti. Les prend troisième, les ralenti puis plus. Après quatrième, il y a deux choix à faire. C'est soit raguer l'école, ou bien les finir avec question garçon. C'est quoi ça lié pour la population en tout. Population pour premier échec, les prend deuxième échec, les sous cinquième, cinquantaine échec, bon niveau que peuple arrive, peuple a bouqué. Les auront à passer, ou est cette question de politique, moi fini ensemble avec lui. Et me fait sondage ça déjà moi-même personnellement sous page moins. L'homme partagé est un sujet qui est politique, les plus controversial qu'un sujet qui est technique. Ça veut dire que l'homme, de vous parler de politique, quand on a en tant qu'un vagabond, il n'y a pas envie de parler de vous encore. Et l'homme prend un paquet de jeunes sur les réseaux sociaux là, qui gagnent au niveau de l'influence qui est élevé, l'homme prend des jeunes temps pour Edgar Emile, l'homme prend des jeunes temps pour Énorme Jamais, l'homme prend des jeunes temps pour agronome, Bavli fait yon, ça non? Ou est-ce que je voulais parler? Wilkie Toussaint. Wilkie Toussaint? M'a pas eu droit de dire non, Wilkie Toussaint. L'autre des jeunes, en tant que Wilkie Toussaint, m'a garanti ou, qui te changé sujet technique, là, en sujet politique, qui te commencé à parler de sujet, alors, il a parlé de sujet, t'as pour Wilkie Toussaint, il n'a pas parlé de politique vraiment, il parle de histoire. Dans l'histoire, là, c'est pas un petit bluff politique qui a pris là-dedans, parce que l'histoire est normalement liée à la politique. Mais les plumes historiques, qui te quittent le sujet politique là, ils ont commencé à entrer dans le commentaire, qui te quittent le sujet technique, ils ont commencé à entrer dans le commentaire politique, à partir de ce moment, niveau audience a diminué considérablement. Pour qui ça? Le peuple est fatigué avec la politique. Le peuple a dit, fait ça, rouler. C'est même genre, il soit femme, non, je prends à l'heure pour, avant cinquième vote, il a gagné l'école là, le peuple a gagné l'école là. Et, dans un moment, on parle à la tête, soit mon promet tout pouvoir, ou mettre le point étranger dehors, mais tu vois, peuple n'a pas besoin de rien. Les bouquets le fatiguent, pas le sauver. Ah bien, c'est ça. Le fatiguent. C'est résultat à tout. Le fait que vous montrez le fatigué. Vous fatiguez, c'est vrai. Vous fatiguez, c'est vrai. Nous fatiguez, c'est vrai. Avec un paquet de politiques, c'est pas jamais réglé. Mais le fait, vous jouez sur ça tout. Le fait que vous nous fatiguez, donc vous tout prenez au libre. Nous ouvrons les barrières, vous faites ça, vous voulez, mettez moun, vous voulez, et puis voler, vous voulez tout. C'est ça. Donc nous obligez. Nous obligés réactifs tout. Pendant nous fatigués, nous obligés à commencer à lever. Mais Yannick, attendez. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème d'alternative. Le bas d'un problème d'alternative, c'est que c'est pas que le peuple n'a pas ta goût, mais non, parce que il y en a pas un boulot, comprendre, c'est que c'est pas que le peuple n'a pas ta lève, non pour le prendre un pouvoir. Mais remettre y a qui est. Bon oui, c'est ça le problème. Remettre y a qui est. Parce qu'on faut logique. Avant Jovenel Moïse, t'es mouru. Il y a un groupe monde qui t'est campé, qui fait comprendre que le mandat Jovenel Moïse finit le 7 février 2021. Et c'est parmi monde ça qui t'est comprendre que le mandat Jovenel finit le 7 février 2021 par le fait que me comprendre que le temps constitutionnel n'est pas un temps arithmétique. Mais si on d'accord que le mandat Jovenel finit le 7 février 2021, on est pas André Michel, pas ta vine entrer en bas à Ariel Henry sous prétexte que Ariel Henry a une couverture légitime du fait que Jovenel est nommé. Comment un monde qui, de facto, cabaille légitimité à un autre monde?
Par contre, tu comprends, non? Si nous t'es d'avis que Jovenel Moïse n'a pas de légitimité après septembre 2021, comment nous venons faire ensemble avant Ariel Henry? Ça, c'est à quoi l'autre, tout simplement. Donc, lorsqu'on est avec André Michel, qui était critique sur le gouvernement de Jovenel Moïse, et puis qui, je dis, a entré là, comment c'est fait, c'est comme si tout a changé dans le pays. Comment on peut aller ça à faire mon confiance encore, leur penser que André Michel, c'était avocat? La politique est un jeu de coquin. C'est ça. Donc, alors, on prend André Michel, c'est parce que pour le moment, c'est lui-même qui est en tête de ligne. Même au niveau du Parlement, également. Mais dans le paquet, dans l'exemple, vous avez encore. Si le Sénat, là, il y a des gens. Vous comprenez, donc ça veut dire que le peuple est fatigué. Le peuple a dépensé qu'après le signe de journée, le secteur démocratique-là, qui est capable peut-être d'y avoir un remplacement, le secteur démocratique-là, qui est capable peut-être d'y avoir un changement, parce que Lucie de la Voix, qui est la plus critique. Face à Jovenel Moïse, mais Jovenel Moïse est mort il y a 2 à 7 mois, et le secteur démocratique est dans le pouvoir. Quel est le changement? Est-ce que pas toujours quelqu'un qui s'abîme? Pas toujours quelqu'un qui mourit? C'est encore pire. Donc, qui sauve les peuples à faire? Il est fatigué. Le peuple est fatigué. Il ne veut rien faire. On est réellement fatigué, mais la fatigue ne nous mène nulle part. Ça ne nous mène nulle part. Ça nous tue. Et Yannick, il y a ce qu'on appelle psychologie individuelle et psychologie de masse. Chaque individu a peut-être gagné volonté pour faire quelque chose. Mais l'on mélange volonté individuelle là avec volonté collective là, c'est la même bagage que vous voyez. Dépassé. C'est comme si tu as toujours, bon pour exemple, on entre dans la salle de classe avec une énergie ou une travail. Mais là, on est dans la salle de classe, où est tout le monde qui va se travailler, ça vient avec une musique qui sous lit, chaque musique musique, ça va danser. Où est-ce qu'il travaille dans le jour? Il est démoralisé, il est déconcentré. Il est démoralisé, exactement. Donc, dans la volonté individuelle, on est capable de gagner des mondes qui toujours sont si énergie pour qu'ils luttent là. Mais la volonté collective en général n'existe pas. Et c'est grave. Je ne peux pas vous comprendre que c'est tout le peuple là. Donc, tu as fait réflexion sur ce que nous avons fait là. Il y a bien travaillé oui, pour créer un peuple naïf, ça nous vient là aujourd'hui. Attendez, peuple naïf, ça nous vient là aujourd'hui. C'est mon peuple qui a couché aujourd'hui, non? Son peuple qui a travaillé depuis plusieurs années pour le créer. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit l'école, ils ont crasé l'éducation en plein. Donc, il y en a pas comme qui vous dit, Annick. L'on allait à l'école, l'on allait par exemple dans le gym ou à l'Albasfé. Après un certain temps que vous gagnez, on va lever poids lourd, l'on lève un poids lourd, l'on ne va pas déranger encore parce que mes ont déjà adapté à lever poids lourd. De même tout, cerveau, là, à l'école, cerveau exposé à des analyses critiques durant toute période, ça y est. Ça qui nous permet que cerveau a une capacité pour que lui balance le pour et le contre, lui fait des analyses critiques, ça peut pas fatiguer. Mais moun, ça y est, nous, bien en Haïti, y'a. Ou pas, ouais, des moun, des messieurs sujets qui m'a d'autres analyses techniques seulement à parler, y'a qu'on quitte le. Y'a désintéressé, c'est vrai. Parce que y'a plus, y'a des déparations, mais vous comprenez. Le sexe et la nourriture. Le ventre et le bazar. Ça veut dire, si par exemple, il n'a pas parlé de blague, il n'a pas parlé de faire mal, il n'a pas parlé de manger, il n'est pas là. Parce que le cerveau n'est pas assez exercé pour qu'il soit capable de soutenir des analyses techniques, des analyses critiques. C'est pas faute, yo. Leur cerveau n'a jamais été exposé à des analyses critiques. Donc, genre de monde, ça, yo, c'est pas des mondes qui sont capables d'attendre que vous fassiez un bagage sérieux. D'ailleurs, le peuple n'a jamais fait aucune révolution. La révolution a été toujours menée par un leader. Pas une révolution qui compte qui démène. La révolution castrique a été menée par Castro. La révolution bolivar, alors la révolution bolivarienne a été menée par Bolivar. Et la révolution, je dirais, au Venezuela, par exemple, la révolution chaviste, c'est avec Chavez. C'est pas le peuple du Venezuela. C'est bien Hugo Chavez, le leader. Et c'est ça qu'on a cherché en Haïti. On a cherché un leader, il y a un monde qui voit assez et que manger pas détourner. C'est à partir du moment que nous voyons le monde ça, probablement qu'il y a une équipe qui entend avec lui, qui part chercher manger tout. C'est là la vision du changement. Mais si nous avons un changement dans le peuple là, nous n'avons jamais besoin de lui. Parce que surtout dans le peuple qui n'est pas étudié, changement va sortir là. Non, leader la sortie. Est-ce qu'on a une idée qui est son TK choisi là comme leader actuel là dans toute crise là, dans vivant en Haïti là? Ou une idée son leader? Ou bien une tête? Non, pas Wally. Pour une prise ça? Yon leader, c'est un monde qui travaille pour que, même s'il mourit demain, si Dieu veut, il y a un monde qui automatiquement a remplacé lui et qui a fait mieux que lui. Soit, par exemple, le cas de Toussaint Louverture, lui mourit, mais le connaît derrière lui, il était remplaçant. En Haïti, pas rien ça. Pas rien. Je dis à la, quel que soit un nègre politique ou qu'on est qui, sur
qui en tête de file. Et pour qu'on ait si le tamou aujourd'hui, là, ça le tape pour Néa, pour qu'il y a une mieux que lui. Pas rien, elle. Leader, c'est un parti politique, ça a formé. Donc, si pas rien politique, pas qu'il y a un leader. Ah, très, par contre, très belle réflexion. Non, pas de parti politique. Il y a des partis électoraux, pas de parti politique. Et c'est grave. Okay. Donc, nous, pays, c'est vrai. Nous avons tout constitutif pays, nous avons territoire, nous avons peuple, nous avons entre guillemets souveraineté, etc. Mais au fond, construction nation, on dirait que ça va exister. Nous avons tout composant pays, mais nous pas une nation. Non, cela n'existe pas. Il y a des gens qui ont dans ce pays, il y a ce qu'on appelle les symboles. Et depuis pas qu'un symbole, pas qu'un pays. On prend son bagaille. N'importe qui américain qui visite là. N'importe. M'a regardé une vidéo dernièrement. Ils ont employé FedEx qui t'a conduit. Qui remarque un drapeau pour aller tomber à terre. L'icône des machines en mettant l'arrière là pour empêcher que le drapeau tombe à terre. Oui. C'est le symbole. Depuis qu'il n'est pas les nationales avec la Yannick. Nous avons. Depuis 2010. Depuis 2010. Ok. Depuis 2010. Attendez, l'homme, par exemple, il met des drapeaux dans ma chemise, soldat. Ce n'est pas pour le faire, il met les. C'est pour que ce symbole-là qui est devant lui, on a poussé jusqu'à même bail. Oui, pour payer ça. Donc, si on arrive dans le niveau, pour même symbole, on ne va rien encore. On ne va rien encore. Parce qu'on paye son peuple, son drapeau, son constitution. Yannick. Ici, dans les États-Unis, l'élection est faite à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que le peuple a voté, mais le peuple n'a pas voté président, oui. Le peuple a voté grand électeur. Grand électeur pour aller voter président. Après grand électeur finit de voter président, le Parlement doit se réunir, ou du moins le Congrès, ici on appelle ça le Congrès doit se réunir pour valider les votes des grands électeurs. Tout à fait. Le 6 janvier, le mercredi qui était 6 janvier, le Parlement est réuni pour être validé. Votre grand électeur ici, au fond, j'ai pour ça, fanatique qui ont pu dire envahir Capitole là. Dans le moment, il y a une autre plus grande inquiétude constitutionnelle, qui sont qu'on a été. Vous connaissez ça? Dis-nous. C'est pour te checker pour voir est-ce que quelque part, la constitution n'a pas fait obligation que c'est même 6 janvier, même que validation a été faite. Parce que si la constitution a dit, fait obligation que c'est même 6 janvier que validation a été faite, et puis là, le 7 janvier, le président ça pas légitime. Parce que ils ont basé sur principe, ils respectent les valeurs, les principes. Au principe, au principe. Il y a la valeur, il y a l'esprit de la Constitution. Il faut que vous respectez ça. Nous, tout au même crise constitution. Si la Constitution a été dit que l'Ido est faite le 6, si ça passe à minuit, il est fait le 7, le président pas légitime. Et n'importe qui a freiné le président ça devant la Cour suprême pour discuter sur légitimité. Donc, c'était plus grande inquiétude constitutionnelle qui a été gagnée. Mais c'est pas dans l'Haïti. Nous avons élection renouvelée. Nous avons ça, le monde renouvelée. Depuis qu'il y a que la constitution était prévue pour que nous gagnions ça, nous avons un conseil électoral permanent. La constitution était prévue seulement pour que nous gagnions un seul conseil électoral provisoire. Après ça, pour nous gagnions permanent. Nous ne pouvons pas jamais créer permanent. La constitution, sans gagner là, je dis, dis-moi, oui, pour te résoudre. Parce que ici, c'est en Unis. Gagner la Cour suprême. La Cour suprême est à la fois la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Parce que il a le pouvoir de délibérer sur tous les conflits, même constitutionnels, la Cour suprême ici aux États-Unis. Mais en Haïti, nous avons seulement la Cour de cassation qui a le pouvoir seulement de délibérer sur les sujets juridiques et non constitutionnels. Mais il y a la Cour constitutionnelle que la Constitution de 1987 amendée a prévu pour créer la Cour constitutionnelle qui doit délibérer sur les sujets d'ordre constitutionnel. Bon, ingénieur Moreno, et c'est un grand plaisir pour nous recevoir dans l'émission. Nous faisons bon débat là et m'espérer, dans la plus prochaine occasion, nous avons encore. Et là, ça n'a pas continuer la discussion.
bien, Yannick, merci, c'est un plaisir. Donc, merci encore pour l'invitation. Et d'ores et déjà, bon week-end. Merci, merci, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.